Bienvenue dans le sud-est de la Malaisie, autour du volcan de Tinggi, où 20 Français viennent vivre l'aventure de leur vie. Ils sont étudiants, commerçants, employés, entrepreneurs ou mères au foyer. Go ! Ils viennent des quatre coins de la France. Tous ont la même motivation. Défier les autres et se défier eux-mêmes. Faut qu'on frappe fort, on les défonce, faut qu'on y aille maintenant les gars. Aller au-delà de leurs peurs et de leurs angoisses. Se dépasser physiquement et mentalement. Révéler leur courage. C'est l'aventure de fou, faut être fou pour venir ici en fait. C'est très dur. Ces 20 Français vont devenir des aventuriers. Il faut être habile, mais aussi malin. C'est toujours plus fort qui sort les griffes en premier qui s'en sort. Il faudra faire les bonnes alliances. Tu veux que j'ai une parole avec quelqu'un qui vend son pote? Les amitiés du début iront-elles au bout? Tu bouffes ta canne à sucre, ça, hein? Tu dis regarde le feu, t'es à côté du feu, tu veux pas le faire? Les ennemis d'hier finiront-ils main dans la main? Je te laisse chez toi, toi tu m'as fait de la peine. Je te laisse toi et ton jugement. T'as trop parlé à tout le monde! T'as trop mis ta main dans le dos de tout le monde! T'as trop attrapé tous les gens comme ça par les sentiments! Tant qu'on n'a pas vécu, on sous-estime tout ce qu'on entend. Tous concourent pour le titre de grand gagnant de Koh-Lanta et les 100 000 euros promis au vainqueur. Au départ, ils sont 20, à la fin, il n'en restera qu'un. La réunification a eu lieu en Malaisie. Salut. On dirait que c'est une nouvelle aventure qui commence. Jaune et rouge vivent désormais ensemble sur le même îlot. Moi j'enlève mon barre jaune. Chaque tribu avait désigné l'ambassadeur de la tribu adverse. Jeff, c'est parti. La mission, ce sera de retourner la tête à Jeff. Moi je pense que c'est le meilleur des choix de Jeff. On essaie de frapper fort en tant que Cédric. Oui. Ce qu'on cherche vraiment, c'est quelqu'un dans l'équipe adverse qui va sacrifier plutôt quelqu'un de son équipe plutôt que lui-même. Les Rouges ont envoyé Cédric, l'imaginant encore avec eux, lui qui avait été leur capitaine au tout début de l'aventure. Et les Jaunes ont nommé Jeff, le pensant sensible aux arguments de Cédric. Messieurs, vous êtes ambassadeurs pour éliminer un aventurier. Lequel? C'est à vous de choisir. Effectivement, le capitaine Rouge est tombé dans le piège des Jaunes. Et notre première stratégie, c'est de virer le plus gros stratège. Et le plus gros stratège, c'est Alban. Et il a lâché son fidèle Alban. Ça a été une très très longue négociation. J'ai pas respecté mon rôle de capitaine. Je suis désolé, Alban. C'est dur. La dernière chose à laquelle je m'attendais, qui plus est, Jeff m'avait promis qu'il ne m'éliminerait jamais, donc... Mais c'est il t'a baisé, Jeff. Hey. Il t'a retourné le cerveau. J'ai le jeu en main. Et c'est à moi d'avancer mes coups. Et Jeff a continué à se laisser berner par Cédric et se faire dicter ses choix. Christophe. C'est Christophe. Je suis en alliance avec Cédric.
Certains ne lui font pas confiance. Jeff a suivi Cédric malgré les mises en garde des filles. Toi, tu penses que Cédric est de notre côté, mais moi, je ne pense pas. Je le teste ce soir. Oui, tu le testes. J'ai pas besoin de le tester. Je sais que c'est une personne en qui j'aurais jamais confiance. Côté jaune, la mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Corinne. La Toulonnaise est partie à l'infirmerie. J'ai un mal de chien. C'est une horreur. Au conseil, stupeur, Jeff. Oh, putain. Résultat fatal pour le capitaine rouge. Et dire que j'avais dit, on lui fait confiance, venez, on lui accorde le bénéfice du doute, s'il vous plaît, venez. On t'avait prévenu. Jeff, comment tu peux dire d'un mec... Comment tu peux parler... Stop. Comment tu peux parler de quelqu'un quand tu l'as vendu? Mais quelle parole? Tu l'as vendu. Tu veux que j'ai une parole avec quelqu'un qui vend son pote? Tu l'as vendu. Qui était mon pote avant Alban? Réponds-moi. Est-ce que tu étais mon pote avant Alban? Réponds-moi, oui ou non. Est-ce que tu étais mon pote avant Alban? On était ensemble. Réponds-moi, est-ce que tu étais... Oui ou non? On était ensemble. Basta. Maintenant. Basta. Cédric et Nessim, ses alliés du tout début d'aventure, ont lâché Jeff. Et leur sentence est irrévocable. À l'issue du conseil, la pression n'est toujours pas retombée. Jessica est extrêmement remontée contre Cédric. Tu sais quoi, Cédric? Comment tu peux dire ça? Mais t'arrives pas à retourner la nuit. Comment tu peux dire ça? T'es un stratège de fou et t'es stratégique depuis le début. Attends, juste une question. Vous avez voté Seb ce soir. Pourquoi vous voulez éliminer? C'est toi qui nous as dit, tu rigoles ou quoi? Je viens de lui expliquer. Vous voulez même pas voler contre moi? Non, mais lui, c'est une connerie. Je suis une grosse conne, je t'ai suivi. Le truc, c'est que vous voyez Cédric parce que c'est Cédric qui vient vous parler. Mais c'est tous ensemble qu'on a réfléchi. Non, mais Cédric, c'est que t'as trop parlé à tout le monde. T'as trop mis ta main dans le dos de tout le monde. T'as trop attrapé tous les gens comme ça par les sentiments. Mais quel sentiment? Mais juste, d'accord, c'est quoi, tu maker? Demande-leur. On a tous fait cette stratégie. Tous. Cédric, c'est la crapule du jeu. J'aurais dû rester sur mes méfiances sur Cédric. Et on aurait dû au moins tenter de voter contre lui. Mélissa et moi, on n'avait pas du tout confiance en lui. Jeff, je lui ai dit. Je lui ai dit, toi. Je lui ai dit, à être trop changé, nanani, à faire confiance en parlant avec. Je lui ai dit, tu vas te faire avoir, toi. C'est quoi, on aurait dû... J'aurais dû plus m'imposer pour une fois. Si ça avait pas été moi, une autre personne l'aurait fait. Une autre personne l'aurait fait. Si ça avait pas été moi, ça aurait été Seb. Si ça avait pas été Seb, ça aurait été Marco. Le plan se déroule exactement comme on l'avait défini. Donc nous, il n'y a aucun problème. Le plan, c'est on élimine rouge par rouge. Donc elle beugle, elle crie parce qu'elle est déçue. Moi, je la comprends tout à fait et je lui jette pas la pierre. Maintenant, ce qu'il faut qu'elle comprenne, c'est que c'est pas une personne. Voilà, il y a eu 6 votes et c'est un vote d'équipe. Le problème, c'est ce que c'est parce qu'il y a une personne qui est obligée de faire le sale boulot, on va dire, qui est obligée de le faire. Marc, c'est pas vrai, si ça avait pas été moi, ça aurait pas été quelqu'un d'autre. En fait, si moi j'étais aux ambassadeurs, j'aurais fait la même chose. Merci. J'aurais fait exactement la même chose. C'est pas trop depuis le début, on s'est pas vu tout ce temps-là, j'étais avec eux. On avait une stratégie de groupe. Depuis le début, c'est la personne la plus dangereuse, Cédric, pour moi. Depuis le début. Et ça va continuer. On va tous nous bouger. Après, si c'est moi qui dois partir plus tard, c'est moi qui partirai, il n'y a pas de souci. Mais j'aurais dit ces 4 vérités à celui-là. Et puis c'est Koh-Lanta, il va y avoir plein de rebondissements. Il va y avoir plein de rebondissements. Ah oui, il y a déjà un rebondissement. Tu veux commencer à me parler alors que depuis le début de la concert trouvée, tu ne m'adresses pas la parole, toi. Je comprends pas. Marc, je comprends pas. Depuis le début, tu m'as pas adressé la parole et là, tu veux taper la discussion avec moi. C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Ok. J'ai pas peur, moi, de mettre des gens à dos. J'ai pas peur. Non, mais moi, je. Quand tu m'as dit bonjour, tu m'as dit bonjour froidement. Je sais pas c'est quoi ton problème, je veux même pas le savoir. Non, j'avais. C'est normal, elle est énervée, c'est normal. Et l'autre là, l'autre tétard là, il vient me parler quand il y a une embrouille. Mais il est marrant ce monsieur là, Marc là. Il vient me parler, il me parle pas depuis 3 jours qu'on est en réunification. Et il vient me parler quand il y a une embrouille. Mais alors lui, il faut même pas qu'il me parle. Les ex-rouges, surtout Jessica, n'acceptent pas l'élimination de leur tête de file, Jeff. La pilule ne passe pas. À la résidence du jury final, Alban, éliminé par les ambassadeurs, attend avec impatience de savoir qui va le rejoindre. J'ai pas encore digéré cette élimination, mais en tout cas, j'ai pardonné à mon bourreau, ce qui était le principal, c'est-à-dire à Jeff. Parce que je sais pertinemment que les instigateurs ne sont autres que Cédric et Marc. Il faut reconnaître que Jeff est un bon guerrier, mais pas un bon capitaine. Je peux pas lui en vouloir. Aujourd'hui, je pense voir arriver malheureusement Christophe, parce que c'est la solution de facilité d'éliminer Christophe. Il a déjà été éliminé une fois. C'est-à-dire qu'il n'est ni jaune ni rouge, c'est un paria. Je pense voir Christophe, même si je ne l'espère pas. Oh putain. Ah ouais.
Oh putain. Je t'ai défendu jusqu'au bout. Et tu avais raison, mon ami. Oh putain. Nessim et Cédric m'ont eu. Nessim aussi. C'est dégueulasse. C'est quoi, Alban? Je te le dis. Hein. Pour moi, je paye le fait de ne pas avoir pu respecter mon engagement envers toi. Je suis là. Ce que je dis et ce que je pense, c'est que je n'en ai jamais voulu à mon bourreau. Parce que c'est pas grave. Tu m'avais promis que tu n'irais pas jusqu'à la boule. Ah bah eux, ils m'ont blâmé pour ça. J'ai l'impression que ça va de tristesse en tristesse parce que ça m'embête profondément de voir Jeff. Qui plus est, les excuses qu'on lui sort. C'est-à-dire qu'ils se sont servis, soi-disant, tu as trahi ton pote pour l'évincer. Mais si c'était un traître, c'est à moi de décider. Alors que j'ai toujours dit qu'ils étaient fait avoir par Cédric, le cerveau, par Marc, le stratège. T'as pas réalisé que Cédric avait forcément dû faire des promesses. Ah ouais. Donc soit je pensais que m'avait fait des promesses avant. Voilà, donc soit effectivement, il retournait avec les rouges et donc il couillonnait les jaunes, soit il restait avec les jaunes. C'est ce qui se passe. Et il est resté avec les jaunes. Le plus grand stratège, c'est définitivement Cédric. Mais le problème, c'est que il a ses acolytes. Il y a des gars comme Nessim qui, je pense, suivent l'odeur de la nourriture. Ça, pour moi, c'est pitoyable. Et les personnes opportunistes pathétiques comme Marco. Et j'ai dit, par contre, priez pour que Corinne ne arrive rien. Parce que si je reviens, je vous défonce à tout. Voilà, mon poteau. Je suis très, très inquiet pour mes camarades. J'espère que la couleur rouge va encore un tout petit peu briller sur cette île d'Ankawaï. Ce matin, le 21e, l'éviction du Marseillais monopolise les conversations sur le camp réunifié. Putain, comment c'était chaud hier soir. Franchement, ça m'a choqué. J'espère juste que ça a pas foutu une mauvaise ambiance, quoi. Ouh là là, c'est pas pompé la paix ce matin, eh. Oui. Fatigue, bien. Hein. Fatigue. Ben ouais, il y a des jours sans, des jours avec. L'ambiance qu'il y a dans le camp, Elle nous a chié l'ambiance. C'est un tout, la fatigue, j'ai moins de force qu'avant. Et le fait qu'hier on s'est affiché, moi et Jeff, hier devant tout le monde. Les gars, vous avez entendu? Mais après? Vous avez entendu? Un mec qui tient pas sa promesse. À partir de là, jouez vos cartes. Moi, frérot, je sors la tête haute. Tout ce que j'ai à dire. Je pensais que t'allais aller au boule noir, moi. T'étais un bonhomme, moi. Je pensais que t'allais aller au boule noir. En fait, t'es pas un bonhomme. Je regrette un peu, parce que je lui ai dit des choses voilà, que je pensais pas. Et moi, ça me ressemble pas, ça. Donc, voilà. Mais après, on a voté Jeff. Parce que ce qu'il a fait à Alban, bah, il aurait pu le faire à moi ou il aurait pu le faire à ses... Là, je regrette pas sur ça, puisqu'il a fait un sale coup à Alban. Moi, ce qui m'a déplu, c'est que tu vends pas ton lieutenant, c'est tout. C'est ce que je dis. Si c'est ton lieutenant, tu le vends pas, tu peux arrêter des couilles dans ta poche et tu les mets, tu les prends dans ta main et tu fais les boules. Pour moi, c'est top. Il élimine, enfin, on élimine, moi je choisis et lui, il valide. Donc il vend, en fait, il décapite son ami, sa tête pensante. Et en plus de ça, derrière, bah, il se met en porte-à-faux parce que c'est la honte quoi, d'avoir vendu son ami. Et puis voilà, il se décapite tout seul, quoi, il s'auto-flingue. Donc là, c'est d'une pierre deux coups. Il a vendu, il a payé. On n'a pas de cancer jusqu'à la fin. Il y a deux personnes qui vont très très vite s'intégrer. C'est Chantal et Tony. La difficulté, c'est mon enfant. Et puis Jessica. Hein. Jessica, elle ne me parle même pas. Je lui dis tu veux un bout de coco, elle ne me parle pas. J'ai même pas un mot, rien. Ouais. Voilà, moi je suis avec. Hein. Ouais, ouais. Bon. Le conseil sera simple, pose pas de question. Juste en train de me dire que les 18 derniers jours vont être très très longs et que limite, si c'est pour vivre dans l'hypocrisie la plus totale, j'aurais préféré sortir avant la réunification et rentrer chez moi. Cédric, il met vraiment en place des stratégies malsaines. Il y en a qui sont capables de mentir en regardant dans les yeux. Forcément que ça crée une super mauvaise ambiance. Cédric, il sort beau parleur en plus, il endort tout le monde, il endort les naïfs, genre Nessim, Christophe. Mais c'est que des belles paroles. Pour qu'il y ait une bonne ambiance sur le camp, il faudrait qu'il soit plus là. Il faut rester sur la vie. Et si le chef y revient, le vote noir, parce qu'on est sûr que c'est Cédric, bien sûr, et qu'une personne aussi... sera allé de notre côté, c'est notre seule chance de... Ou Christophe ou Nessim. Attends, Nessim, il est déjà venu me toucher un mot. Il m'a juste dit vite fait tout à l'heure. Jeff va revenir, t'inquiète. Il me dit... Je dis, bah, faudra que tu parles avec lui. Je vais parler avec lui. Nessim, il se sent vraiment mal de ce qu'il a fait hier. Ça
Est-ce que de là l'emmener et à le faire tourner pour voter contre Cédric, c'est encore une autre affaire? Si tu veux une bonne ambiance sur le camp, c'est qu'il saute. Oh oui, moi j'en suis persuadé. Les ex-rouges ne pardonnent pas à Cédric, leur capitaine du début d'aventure, de les avoir roulés ainsi. Mais sur Koh-Lanta, rien n'est jamais acquis. À quelques milles nautiques de là, à l'infirmerie, c'est une bien mauvaise nouvelle pour un membre de la tribu des jaunes. Corinne doit quitter l'aventure. Si je viens vous voir, vous doutez que c'est pas pour vous annoncer une bonne nouvelle, malheureusement. J'ai discuté avec le docteur Philippe, qui est formel. Vous ne pouvez pas continuer Koh-Lanta dans votre état de santé. Tout simplement parce que votre infection au pied nécessite au moins 10 jours d'immobilisation. 10 jours sans poser le pied par terre. Ouais. Dans ces conditions-là, c'est impossible de repartir sur l'aventure. Ouais. Qu'est-ce que vous allez regretter ? Regretter de ne pas être un peu plus loin et montrer à certains qu'il n'y a pas les gros bras qui peuvent faire la différence. La bonne nouvelle que j'ai envie de vous annoncer, c'est que vous allez rester puisque vous faites partie du jury final. Et vous serez donc présente avec tous les éliminés lors du dernier conseil pour départager les deux derniers aventuriers. C'est génial. Voilà Corinne. Au revoir. Au revoir. Bien. Loin de cette déception sur le camp, c'est l'heure de manger. Un repas séparé entre ex-rouge et ex-jaune, ces derniers n'ayant plus de riz. Une première dans Koh-Lanta. Qu'est-ce qu'on a dit du coup pour le riz? Moi je serais vous, je l'attaquerai maintenant. Parce que si vous êtes pris de court après, vous allez regretter. Hein. Mais par contre, ne vous sentez surtout pas gêné à manger devant nous. Hein. Pas du tout. Hein Bruno? Je te jure. Hein. Bah, le midi, on a le riz, leur fonds de ressources de nourriture, ils le cherchent. Mais bon, ça, c'est un accord qui a été fait dès le départ et les anciens jaunes ont décidé qu'ils ne toucheraient pas notre riz. Voilà. C'est le leur. Ça, j'ai eu peur. Hein. Je t'ai vite, c'est le leur. 4. C'est vrai que les jaunes ont été très égoïstes au niveau du riz. On a décidé de manger le riz avant la réunification. Parce qu'on pensait sincèrement que les rouges, ils allaient tout manger. Et donc on a dit, on fait pareil. Sauf qu'on est arrivé, boum, ça nous est tombé dessus comme ça. Les rouges nous ont annoncé qu'ils avaient encore du riz. Il y en a des beaux, des bulots là-bas. Il y a des monstres, regarde ça, à l'endroit où t'étais. Donc c'est vrai que les midis, on fait un repas en commun. Mais par contre, en ce qui concerne le riz, voilà, les rouges mangent leur riz et c'est tout à fait normal. On a fait la bêtise et maintenant on doit assumer. On mange du riz devant les autres et ça me plaît pas terrible, mais bon, voilà. Eh non, faut ce qu'on a dit. C'est vrai que c'est gênant. Ça gênera pas du tout, tu rigoles ou quoi? Non, ça me gêne. Faut que j'arrête de penser à la bouffe, je m'en rends malade. Et du coup, à chaque repas, c'est vrai que la bêtise revient un peu à la surface et on a un peu les boules de les voir manger du riz parce que ça donne des forces et c'est pas avec un chou et un bout de noix de coco qu'on va arriver à ça. On s'est mis une petite épine dans le pied, sans qu'ils nous aident, comme des grands. Donc maintenant, c'est à nous d'assumer et à tenir le coup surtout. Voilà la nouvelle règle de vie. Repas commun le soir et séparé le midi. Mais chacun a mangé et aura des forces pour la première épreuve de confort individuel. Le papier est petit, hein. Putain, il n'y a que un mot ou une phrase. Ouais. Donner, c'est recevoir. Mais il n'y a pas un jeu où t'as des poids et après tu dois les donner à quelqu'un d'autre? Oh, mais si. Oh, les sacs. Si, ouais. C'est ça. Oh, putain, c'est les sacs. Bravo, Charles. Par contre, c'est un truc de fou, quoi. C'est pas le plus fort qui réussit, celui qui a moins de sacs. Ça va peser lourd. Si c'est l'épreuve des sacs, c'est une épreuve à double tranchant parce que je pense que je vais porter beaucoup de sacs. Donc on verra si c'est cette épreuve-là. Mes chances sont minimes, mais je vais donner le maximum et puis on va voir ce que ça fait. Bonjour à tous. Bonjour. Jessica, comment on ressort après un conseil aussi mouvementé, aussi houleux que lors de la sortie de Jeff? Ça va. J'ai
voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, tout est sorti. Ça fait un peu du bien, je crois. En même temps, bah voilà, je suis chagrinée par le départ de Jeff. Je suis mitigée. Je vous annonce aujourd'hui que Corinne ne peut pas revenir. C'est une décision médicale. Et vous le savez, dans Koh-Lanta, lorsque quelqu'un part sur blessure et sur décision médicale, eh bien c'est le dernier éliminé au conseil qui revient. Par conséquent, dans les heures qui viennent, Jeff aura la possibilité de revenir dans cette tribu réunifiée. Alors il va falloir faire abstraction de tout ce qui s'est passé au conseil, de cette nouvelle du retour de Jeff, si vous voulez remporter une récompense magnifique, un bungalow de luxe, un dîner, un petit déjeuner demain matin, une nuit avec tout le confort. Mais pour ça, il faut remporter l'une des épreuves cultes de Koh-Lanta, le parcours en 4 étapes. Vous êtes 10 face à moi. Et vous allez partir sur une première étape en récupérant très vite un sac. 7 kilos les sacs des hommes, 4 kilos le sac des femmes. 10 au départ, les 8 premiers de cette première portion se qualifient pour la suite. Les deux derniers sont éliminés. Mais avant de quitter définitivement le jeu, ils devront transmettre leur sac à qui ils veulent. On va se mettre en place sur la ligne de départ, venez avec moi. Attention, n'oubliez pas de récupérer votre sac. 3, 2, 1, go! Fou, 7 kilos pour les hommes, 4 pour les femmes. L'important, ne pas faire partie des deux derniers. Attention, les 8 premiers se qualifient pour la deuxième étape. Ok, top Nessim, top Chantal. Mélissa. Il en reste. Il en reste. Vous avez fait mal, Cédric? Ouais, je vais voir. Dans la course, Cédric s'est fait mal au mollet. Peut-être une élongation. Bruno, vous avez atteint un poteau sculpté, mais qui avait été touché précédemment par Christophe. Alors certes, vous êtes arrivé notamment avant certaines filles et notamment avant Jessica, mais qui est arrivée, elle, sur un poteau libre. Par conséquent, Bruno et Cédric, vous êtes éliminés à l'issue de cette première manche. Je vais vous demander de venir me rejoindre. Avant de quitter définitivement cette épreuve, il va falloir transmettre votre sac, Bruno. Je vais transmettre mon sac à Marco. Cédric. Je peux pas donner le sac à une fille, c'est pas possible. Christophe. Christophe. Vous avez mal au mollet, c'est Bruno qui vous sert de transmetteur. Merci. Pour la deuxième manche, vous restez avec vos sacs d'origine, 4 kilos pour les femmes, 7 kilos pour les hommes, sauf Marc et Christophe qui devront porter 2 sacs réservés aux hommes, soit 14 kilos. Vous êtes 8 pour 6 places. Les 6 premiers de cette deuxième étape se qualifie pour la troisième. Attention, 3, 2, 1, go! Pour valider votre place, il faut toucher et rester devant votre poteau sculpté. C'est bon pour Sébastien, pour Marc, pour Chantal, pour Nessim, pour Christophe et pour Jessica. En revanche, pour Charlène et pour Mélissa, c'est terminé. Mélissa, il va falloir transmettre votre sac. Bah, je vais alourdir un garçon, je suis désolée les gars. Sébastien, 4 kilos en plus, 7 et 4, 11 kilos au total pour vous sur la troisième étape. Charlène, qui décidez-vous d'alourdir? C'est difficile parce que j'ai pas envie de
de pénaliser un garçon. En même temps, j'ai pas envie de faire ça aux filles parce que voilà, il faut leur donner une chance aussi. Voilà, je suis désolée. Quoi ? Nessim, votre sac plus celui de Charlène, 7 et 4, 11 kilos. Vous êtes 6 en lice pour cette troisième étape. C'est l'avant-dernière. 4 hommes face à 2 femmes. Bonne chance à tous. Attention, 3, 2, 1, go! Nessim et Sébastien, avec leurs 11 kilos respectifs, sont devant. Jessica est un peu à la traîne. Sur l'entrelac, Nessim ressort en premier. Beaucoup s'en mêlent. Jessica, elle, remonte tout le monde. Le premier, Nessim. Deuxième, Christophe. Troisième, Jessica. Quatrième et dernier qualifié, Sébastien. Chantal, c'est terminé. Comment tu m'as bloqué dans les cordes, toi ? Qui ça ? Bah toi, tu m'as pensé avec les coudes et tout. Ah, mais je n'ai pas fait exprès. Je peux vraiment rien, mais désolé. Hein. Vraiment. Venez avec vos sacs vers moi, s'il vous plaît. Les quatre finalistes sont devant vous. Nessim, Christophe, Sébastien et Jessica. Trois hommes, une femme. Chantal, vous avez un sac de 4 kilos. Oui. À qui décidez-vous de le donner ? Qui allez-vous alourdir ? Ça me paraît évident. Allez. Ça, c'est que 4 kilos. Allez. Sébastien, vous avez votre sac plus deux sacs de femmes. 15 kilos au total. Marc, vous avez 14 kilos à transmettre. Deux sacs de 7. Il faut les donner à la même personne. Est-ce que ce sera Nessim, Christophe, Sébastien ou Jessica? Si Jessica avait eu le sac en plus, elle avait 4 kilos, je distribue à des gars. Là aujourd'hui, Jessica, elle a rien, elle n'a pas eu de surcharge. Je vais donner quoi? Je vais donner 14 kilos à Seb. Et je lui mets une balle dans le pied, je fais quoi? Jessica, elle est hyper avantagée, moi j'ai la possibilité. Non, parce que je fonctionne pas comme ça, j'ai vraiment les boules. Mais ça change rien. Tiens, Nessim. Ça change rien, maintenant. Si moi, ça change quelque chose, parce que je fonctionne pas comme ça. Tiens, Nessim, Nessim, je suis désolé, mais je peux pas donner 14 kilos à une fille, tu comprends? Nessim, ça me fout vraiment les boules. Y a pas de souci. 25 kilos pour Nessim, 14 pour Christophe, 15 pour Sébastien et 4 pour Jessica. Vous êtes les finalistes de ce parcours en 4 étapes. On a dit que dès le départ, on ne chargeait pas les filles. J'ai suivi jusqu'à présent. Elle arrive à 8 kilos, c'était pas beaucoup. Là, elle est hyper avantagée par rapport aux gars. Pourquoi je devrais la charger par rapport aux autres? Non, ce qui t'embête, c'est que c'est une ex rouge et moi, j'ai pas fonctionné comme ça. Pas du tout. Non, là, tu te trompes, Marc. C'est pas parce que c'est une rouge. Pas, parce que depuis le début, on a dit on ne donne pas aux filles. Pourquoi je devrais le donner maintenant? Je vais pas me prendre la tête avec toi, c'est pas grave. Je vous rappelle que pour l'emporter, il faut être le premier ou la première à franchir la poutre et à passer entre les perches sans les toucher. Attention, 3, 2, 1, go! Nessim encore premier malgré ses 25 kilos. Jessica passe plus vite. Elle ne porte que 4 kilos. Allez, avantage pour l'instant à Jessica. Suivi comme son ombre par Christophe, Sébastien. Nessim en quatrième position. Première tentative sur la poutre pour Jessica. N'oubliez pas la récompense. Il faut repartir. Même chose pour vous, Christophe. Première tentative pour Sébastien. Nessim arrive à son tour. Ça passe pour Jessica qui l'emporte, bravo! Bien, Jessica. Maravilleuse. C'est ma première victoire. Oh, tu m'aides. Merci. Un immense bravo, Jessica, pour cette belle victoire. Vous êtes la première femme à remporter une épreuve sur votre Koh-Lanta. Épreuve individuelle,
avec un confort merveilleux, une île magnifique, un bungalow pour vous, avec un lit confortable. Ce soir, un dîner, un vrai bon dîner, avec de la viande, notamment du bœuf. La possibilité de prendre une douche, de bien dormir. Et puis avant de repartir, de prendre un copieux petit déjeuner. Je vais avoir un miroir. Dans une belle chambre, il y a forcément un miroir. Ok, ça va, il faut que j'encaisse ce que je vais voir, mais ça va le faire. J'ai envie de vous faire une proposition, Jessica. Je me sens mal. Elle ne bougera pas, la récompense. Soit vous en profitez, soit vous l'offrez à tous les autres. Et moi, je reste toute seule après, sur l'île. Elle s'est battue, elle a gagné, tu l'as pris. Mais de toute façon, je reste pas toute seule sur une île, moi. Non, bah, je la garde. Jessica, vous avez mérité cette récompense. Les autres vous encouragent à y aller. Profitez-en. Ne perdez pas une minute, un bateau vous attend. À demain. À demain. À demain. Tous les autres, oubliez cette récompense. Ça ne restera qu'au niveau du rêve. Vous allez retrouver votre camp de Lankawai. Et pensez surtout que la prochaine fois qu'on se voit, c'est pour une épreuve individuelle d'immunité. Cédric, vous êtes victime d'un claquage. Vous repartez sur votre camp également. Bon rétablissement et bon retour sur votre campement. De retour sur le camp, les ex-jaunes font grise mine. Ils vont devoir composer avec la blessure de Cédric, leur chef de file, et le retour de Jeff, leur meilleur ennemi. Je tiens. Le médecin m'a dit c'est mal barré, mais on se donne 24 heures. C'est un calvaire, avec tout ce que j'ai fait, voilà, tout ce qu'on a mis en place, putain, c'est le pire. Franchement, c'est le pire. C'est quoi ? Jeff, tu lui dis à Jeff, on se parle pas. Ouais. Tu rentres pas dans les explications de... Ok ? Je veux pouvoir partir à la chasse tranquille, pas me dire que... Non, je suis juste inquiet de comment on va réagir Jeff, parce qu'on a eu un conseil qui était hyper tendu. Là, j'ai peur que, qu'en arrivant, Jeff il rentre dans tous ses éclats et j'espère que ça va partir en pugilat. Jeff, il arrive. Ouais. Voilà. Calme le jeu, tu laisses pas partir des conversations, la bagarre, quoi. Mais s'il doit me dire quelque chose, il me dira et moi je dirai ce que je dois lui dire. Moi, je te dis, le mieux, c'est que tu te taises. Et je mets de la vie, tu rigoles ou quoi, toi ? Si, si. Tu te tais, il se tait. S'il doit me dire quelque chose, il me le dira. Si je dois lui dire quelque chose, je lui dirai. Ouais, enfin, bon, dans l'énervement, tout ça. Marc a un peu peur. Mais après, comme je lui dis, s'il doit se passer quelque chose, il se passera quelque chose. Mais ouais, moi, retour de Jeff, j'appréhende pas du tout. S'il doit, c'est tant mieux pour lui qu'il revienne. Si on doit s'expliquer sur les mots qu'on a eus pendant le conseil, parce que je trouve qu'on s'est affiché tous les deux, bah, on s'expliquera tous les deux comme des grands garçons. Y a pas de souci sur ça. Le retour du fiévreux Marseillais alimente toutes les conversations. Les aventuriers craignent pour l'ambiance sur le campement. La belle Jessica, elle, est bien loin de ces considérations. Trop heureuse. Ça va être magnifique. Je ne m'attendais pas du tout à l'heure de gagner le jeu. J'ai ressenti une immense fierté de remporter seule quelque chose. C'est pour moi ça ? Le choix, il était vite fait quand même tout à l'heure. Là, c'est à moi de me requinquer. Il y a beaucoup de jaunes, ils se sont requinqués pendant beaucoup de temps. Je ne me voyais pas rester seule sur une île pendant que les autres, ils aillent s'en mettre plein de bides. Hein. Et je vais peut-être même manger la paille. Petit cocktail délicieux. Ah, j'ai fait ma gourmande. Hein. Je l'ai sifflé en une minute. J'ai tellement envie de manger que je vais rien lui laisser au cocktail. On dirait que c'est le meilleur des cocktails de ma vie. C'est sublimissime. Ça fait du bien le calme. Hein. Ça fait vraiment du bien de sortir du groupe. Je vais peut-être me remettre bien les idées en place aussi. Je pense que je vais pouvoir vraiment réfléchir. La jeune femme prend soin d'elle. Du repos, enfin. Le bain dans la piscine, très agréable. Ma peau a l'air toute douce. Là, c'est que des caresses, on dirait l'eau, c'est tout doux. Je crois que ce confort-là, fallait pas le louper. C'est le top, c'est le pied. Ah.
Ça fait trop du bien d'avoir de l'eau douce sur soi. J'ai pas utilisé de savon, mais je me sens déjà propre, en fait. J'ai l'impression que j'ai toute la pression qui relâche, là. J'ai l'impression que je suis... Limite, j'abandonne mon corps, là. Je pense à Jeff qui va revenir. Et je pense qu'il va dire tout de suite, elle est où, Jess? Et j'aurais bien aimé être là-bas aussi pour voir les réactions des gens, comment ils se comportent, comment les personnes vont l'accueillir. J'aimerais bien être une petite souris. Il y a un bateau qui arrive! Youhou! Allez, dépêche! C'est pas chez Jeff, ça? Ouais. C'est pas la voix de Jeff, ça? Oui, c'est Jeff. Ah, Rigolez maintenant, les gars. Là, j'ai gagné le confort. Yes. Yes. Tu vas pas au clash? On verra ça, oui. Oh, s'il te plaît, mon pote. Non, tranquille. S'il te plaît, franchement. Vraiment que moi ça va me stresser. Je déteste ça. Oh, ça me stresse. On verra comment ça va se passer. Je me fais pas mal à la tête. Ouais, je vais dire bonjour si je vais faire un effort. Allez, viens ici. On rentre là-dedans. T'es heureux? Je suis heureux de vous retrouver, les gars. Allez. Moi. Allez, viens ici, ma gâtée. Viens ici, ma gâtée. Viens ici. Ça fait une ville, hein. T'es trop beau. Comment? Ça va, le Marseillais? Bien. Ça va? Ah, je suis. Ça va, toi? J'ai un message pour toi, je te dirai tout à l'heure, ça marche. Ah, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas trop eu le sourire jusqu'aux oreilles quand ils ont vu arriver Jeff. Il y en a d'autres qui se sont même pas levés pour venir sur la plage pour le voir arriver. Comment s'est passée là l'épreuve? C'était une belle épreuve ou pas? C'était quoi? Très fatiguant. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Donc, une nuit dans un bungalow. Oh, je suis content pour elle, putain. Je suis tellement content. Petit déj demain matin. Yes! Ah, ben, je suis très content de retrouver cette île. Je suis reboosté pour très longtemps. Après, la claque que je me suis pris hier m'a démontré que Koh Lanta pourrait virer du rêve au cauchemar en moins de 30 secondes. Donc, c'est vrai que maintenant, je pars avec un peu plus de recul. Ah, putain, ça fait plaisir. Oh, putain, j'ai trop de trucs à dire. Tu as pris les coquillages? Il y a coquillages, il y a poissons qui sont un gros poisson qui a pris. Bien joué. Ben, bien, j'en ai pris deux petits malheureusement. Mal, ouais. En fait, on a fait une demi-heure. Ah, vous avez repris la même chose? J'ai repris la même chose. Il n'a pas été voir Nessim, il n'a pas été me voir. C'est pas étonnant, hein, vu qu'on l'a squeezé. Donc, je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne avec un grand sourire. Ah, j'observe ça de mon poste d'estropié. Donc voilà, j'aurais préféré être là-bas. Voilà, mais j'observe. Le principal, c'est que je voulais être là. Voilà, quand j'ai su qu'il revenait, je voulais vraiment être présent. Je voulais être sur le camp. J'y suis. Par contre, homme de parole, tu as vu? Les trois, là, je leur dis pas bonjour. Après. Ils sont même pas levés. Mais Marco, il est venu. Mais il t'a pas calculé. Mais il croit que j'ai avancé. Mais moi, je suis un homme de parole, moi. Mais sincèrement, autant Cédric et Marco ils sont dans leur délire, autant Nessim il était pas bien du tout. Nessim, le jour où il viendra s'excuser. Il était pas bien. Le jour où il viendra s'excuser. Je peux parler avec toi. Quand je suis revenu, j'ai dit bonjour à peu près à tout le monde. J'ai pas dit bien évidemment, pas dit bonjour à Marco parce que pour moi c'est Marco. Et j'ai complètement snobé Cédric et Nessim. Pour moi c'est homme de parole, on ne parle pas. Non. Belle, impeccable. C'est assez en même temps. Christophe, j'ai parlé avec lui, il a dit que lui il en avait marre, que maintenant il voulait voter au mérite et que. Je lui dis voilà, moi je t'explique. J'ai discuté avec Alban. Il sait très bien que le problème. Maintenant, si tu me suis une fois, je te promets rien, moi. Si tu me fais sauter Cédric, après tout ce que je te demande, si tu fais Cédric et Marco, après tu serais mis là, on marchera au mérite. Il suffit juste qu'il gagne pas l'immunité. C'est ça. Il sort parce qu'il y a mon vote noir et on a mal voté. Maintenant, c'est à moi de me défoncer ou un de nous à gagner l'immunité. J'ai deux trucs à faire pour pouvoir évincer Cédric demain. Éviter qu'il y ait l'immunité et surtout convaincre Christophe qu'il faut l'évincer. Et là, pour ça, c'est vrai qu'Alban m'a dit un message à lui passer. C'est à moi d'essayer d'être convaincant
Et en faisant ça, je peux peut-être faire la différence et faire en sorte de venger Alban. Je dirais le message d'Alban. Ça marche. Il est serein. Ouais, je dirais. Ok, ça marche. Tu me diras après. Pas de soucis, avec plaisir. Jeff a très bien joué en arrivant en disant à Christophe, j'ai un message d'Alban pour toi. Un message vraiment personnel, tu vas voir, tu vas être super content. Christophe, mon ami, mon frère, tout ça. Donc, Christophe, il a été assez charmé. Donc, il est possible que sentant le vent tourner, Christophe se dise, tiens, je vais aller voir ailleurs. Est-ce qu'il va respecter son engagement envers le groupe ou est-ce qu'il va revenir en arrière? On va voir. Jeff, aussi fier que vexé, évite Cédric et Nessim. Mais ce dernier tient à avoir une explication avec le bouillant Marseillais. Cédric, c'est quoi? Je le méprise. Par contre, toi, je te dis, je te redonne les yeux, je suis toi. Chez toi, toi, tu m'as fait de la peine. Je t'ai fait de la peine et je m'en excuse. Là, je te dis, voilà, j'ai une parole de bonhomme. Mais c'est pour ça que je me dis. Mais c'est pas possible, c'est pas possible, Nessim. Ça reste. C'est pas. Moi, je suis pas. Voilà, je suis quelqu'un de parole. Mais moi aussi, c'est pour ça qu'on a dit. Pourquoi? Et après, j'ai dit la parole que j'ai donnée à Jeff pour moi au début d'aventure. Et ben, c'était pas le même. Quand t'as trahi Alban, pour moi, c'était pas le même Jeff. Mais je l'ai pas trahi parce que je lui ai dit. Je lui ai pas la boule. Mais moi, j'ai giré à la boule. Je savais que je. Moi, je me suis. Tu m'as posé la question? Mais parce que j'ai pas calculé. Après, moi, je t'ai dit, moi, je suis un grand garçon. Je t'ai dit hier, je t'ai blessé. Ce que tu veux, je suis désolé. Ça m'a touché. Mais. En aucun cas, j'ai montré mon affection parce que j'ai pas oublié la gifle qu'il m'a mis hier, comme il m'a affiché au conseil devant Denis. C'est vrai que là, je pense qu'il a senti que l'influence néfaste qu'avait certaines personnes sur lui. Je pense qu'il a dit qu'il s'est senti merdeux, tout simplement. Et après, quand tu viens en groupe, t'es là, tu parles avec tout le monde et tout. Après, frère, t'es là, t'écoutes l'autre. Après, t'es d'accord avec lui. C'était important pour moi de parler avec Jeff. Maintenant, voilà, comme je dis, je suis une personne voilà, qui a un honneur, qui a une fierté et tout, mais quand j'ai des torts, je les reconnais. Après, voilà, je l'ai reconnu parce que j'avais donné ma parole et j'ai failli à ma parole. Après, j'espère qu'il aura compris ce que je lui ai dit. Au moins, on s'est parlé et on a mis les choses à plat. Déjà, c'est quelque chose de très bien, je pense. Oui, je te le dis et le redis. Oui, tu m'as fait mal ici. Ouais, je sais. Et c'est pour ça que je t'ai dit, je m'excuse. Non, mais. Mais je te le dis. Moi, je suis un bonhomme, moi. Quand j'ai mes torts, j'ai dit, quand j'assume. Après, je regrette, j'ai eu parole, j'ai fait ma. J'ai merdé, d'accord, j'ai merdé. Mais évidemment, j'ai perdu confiance en Nessim. Comme j'ai perdu confiance en Cédric, je reste quand même. Certain. Et là, malheureusement, je dis certain, mais je peux encore me prendre une gifle. Des personnes comme Bruno, des extraordinaires personnes comme Jessica et Mélissa et Chantal. Et voilà, quoi. Ah, mais bon, tu vois ce que tu dis. Loin de ces discussions, seule dans son hôtel, Jessica, elle, savoure sa récompense. Oh, c'est chouette. Oh, la petite peignoir. Oh, mon Dieu. Oh, qu'est-ce que je vais bien dormir. Oh, c'est pire. Oh, je vais dormir dans un lit. Oh, je vais dormir dans un lit, ça va être dingue. Et un miroir. Oh là là, j'ai vu de loin déjà. Les sourcils, les cheveux emmêlés. Puis j'ai un bouton d'un autre monde aussi, là. J'ai le Mont Blanc sur le visage. Je me trouve pas spécialement fatiguée de visage, mais... creusée. Le ventre, bah, je le vois hein, tous les jours, mon ventre. Hein. Je vois bien qu'il est plat, hein, mais... ce soir, je vais bien le remplir. Des petites tables juste pour moi. Oh là là, du chocolat. Oh là là, du chocolat. Oh, du chocolat. Un instant même, je pense énormément à ma fille, Shana. Je pense que de temps en temps, on va instaurer une nouvelle chose à la maison. Le repas dans le désordre. Pourquoi commencer par le salé? Le chocolat, c'est mon truc, c'est mon péché, c'est... Oh, punaise. Mon Dieu, ce que ça fait du bien. C'est une explosion dans ma bouche, c'est une explosion dans ma tête, dans mon ventre. J'en laisse même pas un petit bout pour après, je finis tout. Donc le gâteau au chocolat, eh ben ça, c'est fait. Hein? Ben, c'est super bon.
ça fait plaisir de manger, oh là là. J'ai gagné l'épreuve qu'il fallait gagner. J'ai pas de regret de pas m'être sacrifié là. Oh, j'ai tellement pas envie de laisser tout ça. Je me dis là, avec juste avec les restes là, on ferait 2 jours de repas avec toute mon équipe là. Bonne nuit. Je vais aller me coucher là, je suis crevée. Et ça repartit demain à fond les ballons. Pff, rien que de mettre une couette sur soi. C'est énorme. Oh, et puis, le lit est vraiment douillé. Je suis carrément bien. J'espère que la nuit, elle va être longue, mais très très longue. Vous rêvez de séjourner dans un hôtel de luxe pour découvrir la jungle et les plages paradisiaques de la Malaisie ? À vous de jouer pour gagner cette belle récompense. Une semaine pour 2 personnes, tout confort, pour profiter de ce cadre idyllique ou un chèque de 6000 euros. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quelle aventurière a remporté une nuit tout confort dans un bungalow ? 1. Chantal. 2. Jessica. Appelez le 3680 ou envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14. Vous avez 5 minutes pour jouer et vous serez contacté ce soir si vous êtes le gagnant. Au matin de ce 22e jour, Nessim, plein d'espoir, tente d'aplanir les conflits sur le camp. Mon frère, et c'est quoi ? Vous parlez avec lui, de ma mère, ça va te faire du bien. J'ai juré avec lui. Mais juré. Non, mais parlez, vous mettez vos chaussures là après. Tu fous quoi ? Tu es conscient ? Vous parlez plus. Tu es conscient ? Mais vous parlez plus après. Non, non. Mais jamais sur la tête de ma mère. Jamais de vie. Si tu parles avec lui, bah, ça va vous faire du bien. Jamais de vie, je parle pas. Vous prenez même pas la tête, tranquille. Non, mais voilà, c'est tout. La tension qu'il y a, c'est dur. Le mieux, c'est d'aller mettre les choses à plat avec Cédric pour passer à autre chose. Même après, s'ils se parlent plus demain, il n'y a pas de souci. Mais au moment qu'ils se disent les choses en face, il faut avancer. Ouais. C'est pour ça que je me suis. Non. Il n'y a pas d'explication à avoir avec toi. Jeff est rancunier. Il n'est pas prêt de pardonner à Cédric. Le Marseillais est surtout heureux de retrouver sa camarade Jessica de retour de récompense. Je savais trop, Jeff. Ah, t'es bien. Yeah. Mais alors, c'était bien. C'était super, ça fait du bien. C'est un bon, hein. J'ai vu Jessica revenir du confort que déjà avec un sourire, un croissant encore imprimé sur le visage. J'ai dit, elle en a bien profité. J'avais un petit bungalow, un lit extrêmement confortable. J'avais un petit échantillon de gel douche, un petit échantillon de shampoing. J'avais une brosse à dents. Je me suis frottée partout, j'ai brossé 3 fois mes dents, je suis lavée 2 fois. Tu m'étonnes. J'ai vu, mais le plus important c'était de manger. Ça m'a fait énormément de bien, j'ai l'impression, je vous dis, j'ai la patate là aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de rigoler, je suis repartie comme au premier jour. J'ai vu une Jessica que j'ai connue quand on a débarqué sur l'île des naufragés, une Jessica qui avait plein d'espoir, une Jessica qui était très positive. Il y a eu un moment donné, elle était tellement fatiguée. Et là, une nuit simplement, et elle est repartie à zéro. Quoi. C'est une sacrée combattante. Ça, c'est, je pourrais dire, c'est l'adversaire que je redoute le plus. Le sourire de Jessica fait plaisir à voir. La belle maman est regonflée à bloc, prête à se battre. Je vais aller parler avec Cédric. J'ai beaucoup réfléchi, donc je vais discuter avec lui, voilà, pour en quelque sorte peut-être m'excuser de m'être énervée. Je regrette pas ce que j'ai dit. J'ai balancé ces stratégies en fait. Depuis hier, il y a Ness, il est allé parler avec Jeff, du coup, il se sera un peu. Tu peux expliquer et tout. Jeff, il rigole avec Seb, avec Charlène et tout. Et du coup, il doit sentir le vent tourner, tu vois. Nous, avant de commencer à voter au mérite, on veut d'abord éliminer les 2 personnes qui mettent une mauvaise ambiance sur le camp, notamment Cédric et Marc. Non, mais alors moi, je vous le dis tout de suite. C'est rouge un jour, rouge toujours. Les 2 à abattre, là, c'est Cédric et Marc, pour une question de stratégie et pour nous permettre d'être en nombre supérieur par rapport aux jaunes et pour pouvoir se protéger parce qu'ils sont trop dangereux. De leur côté, les ex-jaunes, en supériorité numérique, sont également aux aguets. Le capitaine veut redonner le cap. Il faut qu'on se mette d'accord sur un rouge qu'on soit. À ce moment-là, on va sauter la main forte des rouges. Voilà, et là, on fait d'accord. Au mérite. Là, je suis d'accord. Au mérite, mais on reste sur ce pacte jaune. C'est voilà. Ce qu'on a dit. Ouais. C'est ce qu'on avait dit. On avait dit, on vote les rouges, mais au mérite. Voilà. Là, on est d'accord. Et j'ai pas envie de partir. Il faut qu'on reste unis et on fait des votes au mérite. C'est tout.
fallait qu'on se rassemble parce que ça commence à partir en live dans tous les sens. On a Nessim qui est pas bien psychologiquement. On a Christophe qui a commencé à nous lâcher par rapport au pacte qu'on avait fait. Cédric qui commence aussi un petit peu à lâcher l'affaire. Je leur ai dit, écoutez, on a fait un pacte et si vous commencez à lâcher l'affaire maintenant, c'est pas respectueux pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout. C'est tout. Au niveau des plus méritants, vous voyez qui vous ? Chantal. Chantal Bruno. Il y a Bruno. Voilà. C'est ça. Et après les moyens ? Là, Jessica, elle a été méritante, je trouve. Ouais, elle a gagné l'épreuve. Donc, Mélissa. Donc, Mélissa. Il faut pas se leurrer, c'est soit eux, soit nous. Et on n'éliminera jamais un jeune, même s'il est moins méritant. C'est comme ça, c'est un pacte, et j'espère que ça tiendra jusqu'à la fin. Ok. Moi, les gars, vous posez aucune question. Mais, moi, j'ai donné ma parole, vous posez aucune question. Je suis notre pacte. Moi, si vous voulez, on reste unis. Les gens m'ont dit que ça serait au mérite, et la personne la moins méritante serait Mélissa. Je suis d'accord avec eux. On verra bien comment ça va se passer demain dans les épreuves et comment ça se passe sur le camp. Rien n'est figé sur l'Ankawaï. L'équilibre des couleurs pourrait bien basculer. Il n'y a qu'une voie d'écart et la notion de mérite s'invite dans les réflexions. Justement, les filles rouges sont parties pêcher. J'ai emmené aujourd'hui Jessica et Mélissa pour leur première leçon de pêche. Tire, 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 tire. Ah, t'as tiré. Ils sont trop malins, ils arrivent à le manger. Ben non, c'est pas le poisson qu'ils mangent. C'est pas possible, ils restent accrochés à l'hameçon. Si toi tu fais pas ça, ça ne leur rentre pas dans le bain. Je leur ai appris à voir le poisson, à sentir la touche et tout ça. Et puis tout compte fait, l'élève a dépassé le maître. Et elle arrêtait pas de hurler, dès qu'elle pêchait un, tout le camp entendait. Depuis le retour de mon confort, je me sens très bien. Je reviens dans l'état d'esprit de profiter, de m'amuser, de vivre cette aventure en m'amusant. Voilà, j'ai envie de m'enrichir des gens qui m'entourent ici, de cette île, de cette expérience. Et si on irait avec des lunettes et on tiendrait le fil dans l'eau ? Tu vas nous voir et détailler les poissons. J'espère aller jusqu'au bout et toucher du bout des doigts peut-être la maison que je pourrais acheter plus tard si je remporte ce Koh-Lanta. T'as joué à quoi ? Ça a été avec les copains et les copines ? Oui. Oui ? C'est juste un petit peu moqué de mes bottes. Ah bon ? Pourquoi ? Jessica, maman sexy de 31 ans, espère gagner pour sa petite Shana. Ma fille Shana a 9 ans et je l'ai élevée toute seule, oui, dès le début. Et ça n'a pas été toujours évident, mais on s'en sort très bien. C'est qu'elle veut lui offrir une jolie maison, maintenant qu'elle a enfin rencontré l'amour. Mon projet, c'est de pouvoir très bientôt m'installer avec Jonathan, ainsi que ma fille, et puis sa fille qui nous rend visite aussi également. On envisage une toute petite maison, qui n'est pas énorme. Voilà, c'est ce qu'on pourrait faire, mais ça serait déjà un pas immense pour nous. Jolie, pimpante, cette animatrice pour enfants peut aussi avoir son petit caractère. Elle est un peu têtue par contre. C'est vrai que quand elle a décidé quelque chose, elle lâche pas. Les gens pensent souvent que je suis assez froide et se retournent complètement sur leur avis parce qu'en fin de compte, je suis la bonne copine. Je peux m'entendre aussi bien avec les filles qu'avec les garçons. Jessica, elle est revenue, on aurait dit une gamine. Elle avait une banane de ouf et elle a ramené 6 petits poissons. Elle était super contente pour sa première pêche. La pêche, elle était très bonne. J'ai attrapé plein de poissons. Bah, chaque fois que je mettais mon hameçon, ça mordait. J'ai relevé, j'avais un poisson. Ils sont pas super, super gros, mais j'en ai eu 6 comme ça. Et je vois que les garçons, ils ont pas chômé, c'est rempli. Et ça, c'est magnifique, ça. Jessica est heureuse. La jeune femme gagne peu à peu ses galons d'aventurière. Mais de l'autre côté de l'île, Bruno et Chantal pensent apercevoir une caisse flottante en mer. Je vois quelque chose qui ressemble à une caisse quand même. C'est le truc qui fait du surplace là-bas ou quoi ? Qui sort de l'eau là-bas ? Mais on peut aller chercher la nage ! Il faut aller le chercher, mais ça me paraît hyper loin, le temps d'y aller. Est-ce qu'on va le retrouver Je suis entre quoi et quoi? Entre l'île là-bas et le rocher ici. Tu peux me donner la direction que j'y aille, s'il te plaît? Alors, si attends, tu regardes mon corps... Attends, j'avance. Alors moi, par rapport à l'île au fond, il est à 11h. Donc il y a Nessim et Jeff qui vont le chercher. En plus, la caisse a été loin. Ils sont vraiment courageux, là. Hein. Ce sont les deux meilleurs nageurs qui se sont désignés, Jeff et Nessim. Ils oublient un temps leur rancœur et avancent de concert.
Il doit y avoir du courant, ils doivent y brancher. Ouais. Ils doivent brancher, du courant. Hein. Je vois plus du tout où ils sont là. Oh Dieu ! Ah, parce que là ! Enfin. Elles sont bien arrivées là-bas. Ouais. Ah, ils ont bien nagé. On a tous les deux notre petite idée. Ouais, je pense que ça va être des messages des proches. Ouais, on pense que ça peut être ça, mais peut-être qu'on se trompe. Ouais, c'est ça. Ah, si c'est ça, c'est beau. Oh, ah, c'est reparti alors. Ouais, on y va. C'est reparti. Vas-y. Jeff et Nessim sont de retour avec la mystérieuse caisse. On y est arrivé. Bah, c'était physique, hein. Voilà. Allez les guerriers, les nageurs. Vous avez été superbes. Les aventuriers sont impatients de savoir quel trésor elle recèle. Allez, allez. Allez. Deux. Allez. Trois. Trois. Oh ah, ah les quêtes. Ça ouais. Une par une. Photo noir et blanc, c'est en 1800. Vous pensez que c'est qui? Oh, c'est un garçon. C'est moi. C'est moi. Bah oui, c'est le jour où on m'a annoncé que j'allais faire Koh-Lanta. On a ouvert le coffre et on a découvert donc des photographies de tout le monde quand ils étaient bébés ou tout petits. Ça nous a fait très rigoler. Non. Jeff, ça c'est Jeff. Jeff. Ah, c'est Jeff. Non. Arrête ! Vous avez des cheveux, le con ! Oh putain. Oh putain, celle d'après, elle est magnifique. Qui... Oh, qui c'est ça ? Oh, la c'est bon ? Ça c'est Marco ? Ah, ouais, ouais. T'étais potu. C'est rigolo de voir les photos des autres. Parce qu'on s'imagine pas comment ils étaient avant, si le visage a changé, pas changé, le contexte, parce qu'il y a toujours un petit contexte sur les photos. Et ouais, c'était rigolo. Nessim, c'est Nessim, ça. Mais non. C'est toi. Mais les petits yeux, magnifiques. Ouais, j'avais une petite bouille quand même, ça. J'étais plutôt beau gosse quand même. Hein. Ça, c'est Jess. Ah ouais. Ma fille, elle est comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Chantal, trop belle. Wow. Trop belle. Ah ouais. Drôle de dame. Bah, les photos, ça a été beaucoup de pas en arrière pour chacun, mais un grand sourire pour ceux qui découvraient nos compagnons tout bébé, quoi. C'était marrant comme tout. C'est qui fait la pin-up, là? C'est toi, Nessa. Ça, elle était prise pour une fois. Ah, Mélissa. Il y a quoi dans le sac? Dans le sac, vas-y. Non, attendez, on va partager, attendez. Non, ouais, à Paris, avec Chantal. Bon, j'ai nagé avec Nessim. Non, c'est le temps. On va tous en prendre un, alors. Mais ouais. Alors, au moins un, quoi. Allez, au moins un. Oh, l'odeur de fou. C'est super, ces bonbons, là. C'est vraiment une explosion dans la bouche. C'est des sensations qu'on redécouvre. Et c'est marrant parce qu'on s'extasie devant une toute petite chose. Ça glisse tout seul dans la bouche. C'est un kiff total. Les trucs de fruits. Moi, c'est réglisse. Non, c'est réglisse. Ah non, moi, c'est aux fruits. Cassis. Les bonheurs à manger. Ouais. Oh là 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 là, là. C'est pas beau, ça, sérieux. Vous captez qu'on a une caisse de bonbons et on a laissé les bonbons pour manger le poisson grillé. Ouais. La lime. Ouais. Feu, les gars. Allez. Le bout de bonbon, là, il est dans ma bouche. J'attends de finir pour commencer le poisson. Tout le monde a parlé un petit peu de l'époque des photos, ce que ça représentait pour chacun. Oh, je suis choqué, la photo qu'ils ont envoyée. Mmh. Drôle, j'ai jamais vu. C'était quoi que t'avais eu? C'était à Noël? Non, c'est pas Noël, je sais pas, j'avais un petit train dans les mains. J'avais un cadeau. Et je crois même que c'était chez mon cousin. Mon petit cousin, il a toujours eu des meilleurs cadeaux que moi. À Noël. Et c'est là que tu te dis, le temps il passe trop vite. Hein. Mmh. Ah ouais. J'ai plus trop de souvenirs de cette époque-là, mais bon. Mais il paraît que j'étais un gentil bébé, comme je suis devenu un gentil adulte. C'est vrai. Ah, ok, merci. J'ai été élevée par ma mère, ma tante et ma grand-mère. Ma famille, c'était que ça. Oui. Ah ouais? Mmh. À cet âge-là, je m'étais une fois évadé, ma mère ne me trouvait plus. Mais non. Si. Moi, j'étais un enfant très calme. J'avais un copain et on avait commencé à économiser de l'argent pour être cosmonaute. À l'époque, je rêvais d'être policier. Ah, je voulais être patineuse artistique. Pour être tout en paillettes. Puis finalement, mon père, il m'a inscrite à la boxe. Super. Bon, mon rêve, jusqu'à ce que j'arrive à la faculté de l'UMINI, c'était de faire océanologue. Ah, t'es parti à la fac, t'as déjà? Ah putain! Ah, j'ai un bac plus 4 quand même, je suis pas sûr. C'est pas sérieux? Oui. Jeff m'a surpris quand tu m'as dit qu'il avait un bac plus 4, qu'il,
qui voulait faire océanologue, je crois, c'est ça. Ça m'a, j'étais flatté pour lui, je dis bah vraiment bien. Ça consiste en quoi, océanologue? Non, non, je voulais être à Cousteau. Ah ouais. Et voilà, après c'est vrai que je me suis un peu perdu, mais j'ai quand même conservé ma passion pour la mer. C'est marrant parce que on découvre du coup les gens qu'on côtoie à 24 heures sur 24, donc c'était assez amusant et puis étonnant des fois aussi. Ah, c'était la meilleure époque, hein. Pas de soucis dans la tête, rien du tout. Et oui. Ces souvenirs d'enfance mettent du baume au cœur des aventuriers. Ils leur permettent également de mieux se connaître, de fendre l'armure. Une parenthèse enchantée avant l'angoissante épreuve d'immunité de demain. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est une journée cruciale qui attend les aventuriers. En ce jour de conseil, les ex-rouges espèrent pouvoir inverser la tendance. Ça y est, le jour J arrive. Le jour J arrive. Encore un jour de fou, ça peut se décider aujourd'hui, pour vous. Ouais. Ça doit. Ça doit se décider. L'ambiance sur le camp, elle commence un peu à me saouler. Il y a deux personnes, en l'occurrence, qui me dégoûtent. Cédric et Marco. Ouais. Avec le battement, si Cédric fait l'épreuve, il y aura 6 mois, quoi. Quelle jouissance, s'il sort. On va essayer Marco, quoi. La place. Ça dépend de qui a l'humilité. Puis importe l'épreuve, il va falloir briller tout ça. L'ambiance sur le camp, elle sera bien meilleure quand le serpent et le crabe auront la tête coupée. Les ex-rouges veulent absolument briser le duo fort des ex-jaunes, à savoir Cédric et Marc, qui sont dans leur ligne de mire. Bonjour. Est-ce que tu crois que ça peut le faire, le premier éléphant qu'on la pêche? Ah ouais, ça sera pour, comment ça s'appelle, Mélissa. Ouais, ouais. Je le mets contre là. Ça sera plus léger, ouais, merci. Je m'agace beaucoup, Marco. Je le sens pas spontané, je le sens faux, je le sens lèche derrière, je le sens tout programmé, tout calculateur, donc j'aime pas du tout. Ça sent le faux, mais alors de A à Z, et j'aime pas trop ça. Comment ça va? On va faire un sprint, là. Alors, moi, Cédric, il est calculateur, mais on le sait depuis le début, quoi. Marco, j'aimerais bien qu'il sorte au conseil. Mais pour l'instant, il est tellement utile au camp, donc voilà, tout le monde l'utilise, donc c'est très, très compliqué. Affaire à suivre. Le meilleur moyen pour se sauver est encore de gagner l'épreuve d'immunité. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Restez suspendus à vos rêves. Cochon pendu. Il y a au moins une fois pour le petit gabarit et les minces. Voilà. Bon, on va aller prendre les forces. C'est une épreuve qui est importante à ne pas perdre. Je me sens menacé parce que je suis un méchant pour l'équipe d'en face. Donc dans la mesure où ils me voient comme un méchant, je suis menacé. Le souci, c'est que si jamais Mélissa gagne, Nassim ne veut voter ni Jeff ni Jessica. Et il est hors de question au mérite de voter une sortie de Bruno ou de Chantal. Donc ça commence à devenir super compliqué. On est 6. Ouais. Si on est 5. Si ne pas voter contre nous. Si Nessie ne veut pas voter contre nous. Moi j'ai un vote noir déjà. Ah ouais. Ouais, faut pas qu'il déconne hein, parce que là. Mais ne nous énervons pas avant d'avoir vu le résultat du prochain tournoi. On attend que Mélissa tombe et on tombe. C'est compliqué. C'est très très important de gagner cette immunité, donc j'espère que je vais pas être trop handicapé par ma jambe, parce qu'il me faudrait à tout prix celle-là. Parce que je suis en danger, et les anciens rouges vont voter massivement contre moi, et j'ai déjà un vote noir aussi contre moi, donc il faut à tout prix que j'ai l'immunité pour contrecarrer tout ça. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Cédric, malgré vos difficultés et votre blessure au mollet,
Vous avez décidé de participer à l'épreuve d'aujourd'hui et le médecin est d'accord. Par conséquent, vous êtes exactement dans la même situation que tous les autres. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment d'être au top sur cette épreuve d'immunité quand on se souvient ce qui s'est passé lors du premier conseil de la pré-réunification. Il faut gagner pour être intouchable ce soir au conseil. Marc, le totem est remis en jeu. Merci. Alors c'est un comble, car aujourd'hui, je vais vous demander d'être paresseux dans cette épreuve d'immunité. Tout simplement parce que vous allez devoir vous suspendre sous le rondin horizontal. C'est celui ou celle qui reste dans cette position, la position préférée du paresseux, qui remportera l'immunité, qui repartira avec le totem et qui sera intouchable ce soir. Bonne chance à tous. Allez vous mettre en place. Mettez-vous en place. Attention, top, c'est parti. Épreuve classique de Koh-Lanta, dite des paresseux, comme l'animal sud-américain qui ne descend jamais des arbres. Il faut supporter son propre poids. Les petits gabarits, mais musclés, sont normalement avantagés. C'est terminé, Nessim. Vous avez tenu 5 minutes. Les muscles, mais aussi la tête. Il faut tout maîtriser et aller au-delà de ses limites. Sébastien, vous êtes le deuxième à tomber après 7 minutes et 30 secondes d'effort. Christophe, c'est terminé également. Comme l'épreuve avec les 25 kilos, je peux porter, ça me dérange pas ça. Mais là, c'est pas pour moi ça. Et mais t'imagines, il y en a qui sont restés 2 heures dans cette position. C'est des malades mentales. Je pense que cette épreuve, celui qui va rester plus d'une heure, chapeau. Bruno, vous êtes le quatrième à tomber. L'épreuve a commencé il y a un quart d'heure. Et vous êtes 7 encore à pouvoir prétendre à la victoire. Jess, dis-toi dans ta tête que la douleur, en fait, c'est pas une douleur, c'est du bonheur. Cédric tient, malgré sa blessure au mollet. Il se sait dans la ligne de mire des rouges. Après tous ses efforts, il ne veut pas laisser tomber. La première femme à tomber, c'est Jessica. Après 23 minutes d'efforts, Jessica. Charlène. Ça fait combien de temps, Denis, hein? Ça fait combien de temps? 37 minutes. 37 minutes? Oh, je vais essayer encore un peu. Cédric, c'est terminé.
Et déjà un grand bravo par rapport à votre état de forme. Ouais, bisous, bisous. Ils sont pas un bisou, t'as vu? Bientôt, trois quarts d'heure d'épreuve et vous êtes encore quatre. Il s'est lâché plus. Ouais, je sais pas. Il a tout lâché, les bras, les mains en même temps. Marc, vous avez lâché d'un coup, ça va? Pas mal au dos? J'aurais voulu être au moins le dernier des garçons, quoi. C'est pas une épreuve pour moi, ça. C'est terminé pour vous, Jeff. 46 minutes. C'est une épreuve magnifique. Et surtout, un duel très indécis. D'un côté, Chantal. Et de l'autre, Mélissa. Mélissa ne veut pas lâcher. Tant elle est mal à l'aise dans cette équipe réunifiée, elle se sent menacée. Chantal et Mélissa, ça fait 50 minutes que vous êtes en suspension sous votre rondin. Allez, il faut tenir. Allez-y, Jeff, vous l'aidez à descendre. Lâche-toi. Lâche-toi. Voilà, Mélissa, vous avez besoin de Jeff pour descendre. Vous êtes allé au bout de vos forces. Lâchez. 53 minutes. Et donc, la victoire, elle est pour Chantal. Bravo. Tu vas encore rester longtemps. Ça va ou quoi? Mélissa, c'était une super bataille. Mélissa, Chantal, vous avez été là. Chantal, bravo. Très, très belle victoire. Et je vous ai entendu dire, en descendant, j'aurais pu tenir encore longtemps. Depuis que je suis toute petite, je monte aux arbres et puis je m'amuse à faire justement ça. Et non, je pouvais tenir encore bien longtemps, j'étais à l'aise. Ce totem, il est pour vous, Chantal. C'est votre premier totem individuel. Vous le méritez et vous savez que ce soir, grâce à lui, vous serez intouchable au conseil. Encore une fois, félicitations. Merci. Bravo, Chantal. Il vous reste quelques heures l'après-midi pour prendre la bonne décision et pour faire ce soir au conseil le bon choix. À tout à l'heure. Après cette épreuve harassante, les aventuriers reviennent sur leur campement exsangue. Il faut dormir, il faut se poser. Mais pas de temps à perdre. Il doit se concentrer sur le conseil qui approche déjà. Moi, j'allais chercher des bigorneaux. Oui, on fait une petite sieste. Jeff ! Viens voir. Dans ce camp, il y a deux êtres néfastes. Il y a deux serpents, il y a deux vipères. C'est ignoble. C'est ignoble. Et évidemment, c'est Cédric et Marco. Ils n'ont pas de principe, ils n'ont pas d'honneur, ils ne servent à rien. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ces gens qui utilisent le mot valeur, mérite, honneur. Ce genre de mots qui sont censés être pleins de valeur, en fait, ils s'en servent comme panneaux publicitaires. Même si je ne m'entends pas avec Marc, c'est pas Marc que j'ai envie de sortir. C'est vraiment Cédric en priorité. Parce que Marc, il a peut-être un mauvais caractère là avec moi. En tout cas, le rapport est difficile entre lui et moi. Mais c'est un super aventurier. On ne peut pas dire le contraire. Et moi, même si demain, je dois être le seul vote contre Cédric, j'assume tout ce que je dis sur lui, je ne l'aime pas. Je n'aime pas son jeu. C'est un manipulateur. Donc même si je dois être la seule à marquer son nom sur le papier, je le marquerai. Je déteste. Moi, je sais très bien comme ça. Je supporte pas, je supporte pas. Ouais, je sais très bien, mais après, toi, tu devrais savoir que dans Koh-Lanta, il y a toujours des trucs comme ça, ma gueule. Tu vois?
Bah ouais, mais je préfère que ces personnes y partent avant d'autres, tu vois. Ouais, bah après, c'est le jeu. Après, j'ai déjà dit, j'ai hissé un streamer. Et toi, une Jeff, c'est bon. Je voterai pas contre lui. Mais non, mais je te demande autre chose. Non. Après, s'il te plaît. Tu m'as frappé. Après, ce qu'il a fait pour moi, je pense que j'ai je peux voter contre lui. Il serait dans ton équipe, t'aurais pas pu faire plein. Tu vois ce jeu? J'ai Jess qui a essayé de me dire de voter contre Cédric, mais je lui ai dit que c'était impossible. Après, je lui dis voilà, Jess et Jeff, je voterai pas contre eux. Après, ce soir, je te jure, je sais même pas comment ça va se passer. Je sais pas, on va voir. Entre Marc et Cédric, les ex-rouges hésitent encore. De leur côté, les ex-jaunes fourbissent également leurs armes, mais ils peinent à se mettre d'accord sur un nom. Si tu veux parler avec lui, c'est bien. Non, Seb et Cricri sont ensemble. Je vais voir si Cricri était pas tout seul. Faut rester autour de lui, tu vois. Voilà, c'est l'aventure. Ouais. Toute la réflexion qu'on fait au sein de notre groupe, c'est bien sûr un petit peu de stratégie, on est obligé. Et on a inclus, très récemment, la notion de mérite. Et ça a beaucoup plus plu à Christophe. Et depuis qu'on a mis ça en place, il est beaucoup plus ouvert sur la discussion stratégique de l'élimination des rouges. Après, je sais, moi aussi, c'est pas évident de venir voter, éliminer quelqu'un. Voilà, j'ai horreur de ça, mais on est obligé, c'est un jeu. Et si on va avoir des pires souvenirs ensemble après, il faut le faire, quoi. C'est une stratégie que je réclame depuis le début de la réunification et puis depuis longtemps déjà. C'est qu'à un moment, il fait éliminer des gens, c'est bien, mais il faut aussi les éliminer par rapport au mérite, par rapport à ce qu'ils ont fait dans l'aventure. Donc j'ai un peu cassé l'ancienne stratégie. Ça a un peu du coup déstabilisé le groupe. C'est ce que je souhaitais faire. Aujourd'hui, on repart sur une nouvelle alliance plus en adéquation avec ce que je pense. Bon, vous me direz quand ce sera décidé. On dit que voilà, on choisit ça ensemble. Voilà. Tout dépend de Christophe. Faut laisser Seb lui parler. Ouais, il m'a dit que c'était bon. Et c'est bon ? Ouais. Il veut plus en parler. À chaque fois, je tremble. J'ai vraiment un mal fou avec Christophe. Parce qu'on s'est fait des promesses, on a tenu des engagements. Mais voilà. Il y a Voltaire qui disait « Le matin, je fais des projets, tout au long de la journée, je les défais. » Il y en a ici, c'est vraiment des Voltaire. Ici, il y a des gens contre qui il ne veut pas voter parce qu'il a pris des engagements. Bon, moi, je comprends tout à fait sa position à ne pas vouloir le voter contre Jeff. Maintenant, il a aussi passé un accord avec Jessica. J'espère qu'il va passer un accord avec tous les rouges, parce que ça va commencer à être difficile. Christophe, il est dans son coin. Il veut pas qu'on vienne lui parler. Il veut pas qu'on vienne lui prendre la tête. Il se porte plus tous ses lavages de cerveau. Et là, il s'est isolé. On sait très bien qu'il y a trop de rebondissements. On n'est pas du tout serein pour ce soir. On n'est pas du tout en confiance pour ce soir. Nassim a dit, c'était hors de question, qu'il se pourrait prendre pour la deuxième fois comme un con. Il doit être ni toi ni moi. Mais bon, je suis un peu l'homme à battre, visiblement, parce que, je sais pas, j'ai l'impression d'être... J'ai l'impression que Interpol est sur mon dos, donc... J'ai un peu peur pour elle aussi, tu vois, parce qu'il faut qu'elle joue son truc. Non. Tu prendras le risque. Tu prendras le risque de pas le... Depuis le début, j'ai passé plusieurs conseils sans sortir le collier d'immunité, parce que je me sentais pas encore vraiment en danger et que je me disais que je pouvais l'économiser pour le garder pour plus tard et réellement sauver ma place à ce moment-là. Là, si on marche par élimination, c'est vrai que Chantal, elle peut pas être touchée. Il y a certaines personnes qui ont promis à Jeff et Jess de pas voter contre eux. Mais bon, est-ce qu'ils vont tenir leur parole? On sait pas. Bruno, je pense pas qu'ils oseraient voter contre lui. Donc par élimination, c'est vrai qu'il me reste moi. Après, on peut rêver et croire qu'ils votent au mérite. Dans ce cas-là, c'est Charlène qui devrait sortir. Mais ça m'étonnerait qu'ils votent contre un des leurs. Donc oui, c'est vrai que ça serait plus prudent de sortir mon collier. Mais j'ai jamais été très prudente. Je comprends pas, si tu penses qu'ils peuvent voter contre toi, pourquoi t'envisages même pas de jouer? Parce que j'ai pas envie de le gaspiller. Mais tu imagines si tu pars sans l'ayant joué? Oh non, moi je te dis rien, vas-y, je te dis rien du tout, il y a plus toi qui peux. Je veux pas du tout être de mauvais conseils et alors là. En même temps, avec la performance qu'elle a fait aujourd'hui, Mélissa, en arrivant deuxième fille. Je veux dire, ils arrêtent pas de dire les jaunes, on vote au mérite, on vote au mérite. Donc normalement, s'ils tiennent leur parole, ils votent pas Mélissa, quoi. Donc ça se trouve, c'est moi, hein. Ça se trouve, c'est moi, ça se trouve, c'est Mélissa, ça se trouve, c'est Jeff, on ne peut pas savoir. Ne se sentant pas en danger, Mélissa hésite encore à sortir le collier. Une hésitation qui
pourrait lui coûter cher. En tout cas, la Marseillaise va devoir se décider, et vite, car le conseil approche. D'accord. C'est Mélissa, ça. Je pense que ça peut aller contre moi ce soir, mais j'en suis pas sûre, donc je sais toujours pas quoi faire. Mélissa perçoit de mauvaises ondes. Sortira-t-elle son collier? Tout peut arriver dans Koh-Lanta, et le conseil, c'est tout de suite. Attention, c'est votre dernière chance pour peut-être remporter un séjour paradisiaque dans un hôtel de luxe, ici en Malaisie. Partez à la découverte de la Malaisie, de ses plages ensoleillées, bordées de palmiers et de ses fonds sous-marins d'une exceptionnelle richesse, ou gagnez un chèque de 6000 euros. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Que contenait la caisse découverte par les aventuriers? 1. Des lettres. 2. Des photos. Appelez le 3680 ou envoyez un ou deux par SMS au 71414. Vous avez 5 minutes pour jouer. Rendez-vous dès ce soir sur mytf1.fr pour connaître le nom du gagnant. La réunification est déjà un vieux souvenir et pourtant les deux couleurs rouge et jaune perdurent, les clans sont solides et la tribu blanche encore un vœu pieux. D'autant que le retour de Jeff après la blessure de Corinne a ravivé certaines tensions, notamment avec Cédric, l'ambassadeur jaune. Clairement, ils sont deux en danger ce soir. Il y a Mélissa, qui, je vous le rappelle, a le collier d'immunité, et Cédric, le grand stratège des jaunes. Une situation qui ne concerne absolument pas Chantal, victorieuse de l'immunité, et donc intouchable au conseil de ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ces trois derniers jours, j'ai envie de dire, ce sont un peu les jours des femmes. Puisque vous avez disputé deux épreuves et que ces deux épreuves ont été remportées par des femmes. Jessica, qu'est-ce que ça représente une victoire pour une femme dans Koh-Lanta? Bah, ça fait du bien pour l'aventure. Parce que peu importe où j'irai, où je m'arrêterai, bah, j'ai quand même une victoire. J'ai des victoires avec mon groupe et puis j'ai une victoire solo. Chantal, cette victoire, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Bah, elle représente la première immunité pour une femme. Et même si à la fin c'était contre Mélissa, donc elle m'a donné du fil à retordre, mais ça a été une belle bataille. Mélissa, vous êtes passée tout près de la victoire aujourd'hui, deuxième. Est-ce que le fait de voir ces deux femmes gagner, ça vous donne encore plus de motivation pour la suite? Ah oui, carrément. Moi, j'ai admiré leur victoire et j'espère que je serai la prochaine sur la liste. Alors, Jeff, quel est votre sentiment là, ce soir, sur cette tribu réunifiée? L'aventure au jour d'aujourd'hui, elle prend un goût qui est un peu trop amer à mes yeux. Donc, qu'est-ce qui vous pèse? L'ambiance. Je suis juste déçu d'une ambiance qui n'est pas forcément celle à laquelle je m'attendais sur Koh-Lanta. Après, je savais qu'il y avait pas mal de trucs, mais je suis déçu. Mais bien sûr, je suis déçu. C'est tout. Après, je me doutais bien que ce n'était pas la compagnie créole tous les jours sur le camp. Mais là, en l'occurrence, c'est pesant, c'est saoulant. Entre ex-rouge devenu jaune, ex-jaune devenu rouge, ex-mélange de couleurs, ex... C'est saoulant, ça met l'ambiance pathétique, tout le monde se parle de son côté, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, on change de sujet. Qui partage ce sentiment d'une vie compliquée sur le camp? Ouais, c'est pas évident. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Ça devient vraiment compliqué. Marc? Mais moi, je trouve que l'ambiance s'améliore et je sais qu'elle va s'améliorer de plus en plus. Et ça, j'y crois. Cédric? Bah, ça s'améliore. On se parle tous maintenant sans animosité, même si des fois, voilà, certaines personnes ne peuvent pas s'apprécier. Mais oui, je trouve que petit à petit, ça s'apaise et j'espère vraiment que ça va continuer dans ce sens-là. Ça s'améliore, mais on sent encore qu'il y a des messes basses, des petites apartés, dès quelqu'un arrive, ben, tout à coup ça s'arrête. Il y a quelque chose dans l'air qui fait que le calme et la paix ne sont pas encore revenus sur le camp. En tout cas, vous êtes 11 devant moi ce soir. La tribu réunifiée, il va falloir voter les uns après les autres. Vote en votre âme et conscience, vote à bulletin secret. Charlène, vous êtes la première à aller voter, allez-y.
tu es Pierre des stratèges. Et tu fais partie du plan pour que je puisse venger et mon ego et surtout le sacrifice d'Alban. Mélissa, je vote contre toi ce soir par rapport à la stratégie de notre équipe. Mélissa, je vote contre toi ce soir car c'est encore un vote basé sur nos anciennes couleurs. Échec et mat, pour qui alors ? Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. À l'intérieur de l'urne, il y a vos 11 bulletins, auxquels je vais en ajouter un 12e. C'est le vote noir de Jeff éliminé lors du dernier conseil. Avant de procéder au dépouillement, je vais vous poser la traditionnelle question. Est-ce que quelqu'un a le collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir ? Mélissa, vous avez un collier d'immunité ? Oui. Je vais vous demander de me le donner. Merci Mélissa. Grâce à ce collier d'immunité, vous êtes intouchable ce soir. C'est-à-dire que s'il y a des bulletins contre vous dans cette urne, ils ne seront pas comptabilisés. Tout de suite, le dépouillement. Mélissa, ce bulletin ne sera pas comptabilisé. Mélissa, deuxième bulletin qui ne sera pas comptabilisé, Mélissa. Cédric. Mélissa, c'est un troisième bulletin contre vous qui n'est pas comptabilisé puisque vous avez sorti le collier d'immunité. Cédric. Deux voix contre vous, Cédric. Cédric. Mélissa, quatrième bulletin contre vous, pas comptabilisé. Mélissa, celui-ci n'est pas non plus comptabilisé. Voici le neuvième bulletin et il peut déjà être décisif. Cédric. J'ai procédé bien évidemment à la totalité du dépouillement, mais les derniers bulletins ne changeront pas l'issue du vote. Mélissa. Cédric. Cédric. Prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Cédric, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Si certaines décisions ont pu décevoir ou blesser certaines personnes, c'était pas du tout le but. Voilà, ça aurait pu basculer, j'aurais pu basculer dans le camp rouge. Si lors de mon dernier vote, j'avais basculé chez les rouges, les jaunes auraient été déçus. J'ai basculé chez les jaunes, les rouges ont été déçus. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Continuez, allez jusqu'au bout de vous-même et donnez-vous à fond dans les épreuves. Avant de partir, votre dernière mission, le vote noir. Au revoir, Cédric. Allez, ciao. Le stratège Cédric est évincé de la partie. Beau joueur, il s'en va la tête haute. La semaine prochaine, go ! Grosse surprise pour les aventuriers.
Celui qui aura le plus de voix contre lui, au conseil, entraînera dans sa chute son binôme. Destin partagé en Malaisie. Truc de fou. C'est chaud. Et éliminer deux jaunes, il y a un coup à jouer. La seule personne qui serait prête à dégager, c'est qui? C'est Mélissa? J'ai pas envie de suivre cette stratégie de Marco, des jaunes. Ils font rien sur le cas et sur les épreuves, elle fait rien non plus. C'est bon, quoi. Moi, je prends ça comme s'ils avaient, comme si c'était une trahison. Gros enjeu pour les naufragés. On faudrait le prendre par surprise, c'est ça l'histoire. Je fais là ! Avec deux éliminés d'un coup. Et boum, sauterait direct. Je voterai jamais contre eux. Parce que sans eux, je ne peux pas avancer. La bascule des couleurs peut être soudaine. Il va y avoir encore plus de rebondissements, là, ça va être très chaud. Koh-Lanta, les grandes décisions, c'est vendredi à 20h55 sur TF1. Sortir sur ça, c'est rageant. C'est rageant parce que j'aurais préféré sortir sur une stratégie, sur, voilà, sur quelque chose de réfléchi. Et là, c'est pas le cas, donc voilà, c'est dommage, mais c'est le jeu. Ce que tu as fait la dernière fois contre Jeff n'était pas une stratégie, mais une trahison. Donc, je n'ai pas confiance. Je ne voudrais pas que tu fasses la même chose sur moi. J'estime que c'est toi qui as introduit dans le jeu les stratégies malsaines et les coups bas. Et personnellement, je ne l'accepte pas. J'espère qu'avec ton départ, les tensions s'apaiseront sur le camp.